Bonjour, chers participants et potentiels participants au cours portant sur les fondamentaux de la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Ce cours est offert gratuitement à tous les acteurs de la gouvernance du secteur des ressources naturelles, y compris les acteurs de la société civile, les officiels des gouvernements, les parlementaires, les journalistes, les chercheurs, et tout autre acteur qui souhaite savoir beaucoup plus ou contribuer aux efforts de renforcement des instruments de gouvernance, aussi bien le cadre légal que le cadre institutionnel de la gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Vous savez tous, l'Afrique de l'Ouest est riche en ressources naturelles de toutes formes, hydrocarbures, mines et gaz. Donc, il est important que les générations d'aujourd'hui et des futures générations puissent bénéficier des retombées positives de ces ressources. Plusieurs années d'expérience nous ont montré que les retombées sont souvent beaucoup plus négatives. Autant nos pays sont riches en ressources naturelles, autant les populations continuent de subir les affres de la pauvreté et du sous-développement. Donc, les ressources naturelles n'ont jusque-là pas réussi à booster de façon effective l'économie ou les économies de nos pays, notamment en Afrique de façon générale et en Afrique de l'Ouest de façon particulière. Donc aujourd'hui, avec l'IDEP et OSIWA, nous continuons à renforcer les capacités des acteurs de la gouvernance pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir au meilleur cadre juridique, au politique ou même institutionnel qui pourrait aider à mieux tirer profit de l'exploitation des ressources minérales en Afrique de l'Ouest. Dans ce cours, nous aurons divers modules. D'abord, nous ferons une sorte de revue du cycle minier, c'est-à-dire faire comprendre à l'ensemble des participants c'est quoi le cycle de vie des projets miniers, de l'exploration jusqu'à la fermeture ou post-fermeture même des mines, en passant par le développement, le design, le montage financier et toutes les implications, les enjeux autour de cela. Ensuite, nous analyserons les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'exploitation des ressources minérales, ce qui nous permettra de voir quels sont les liens, les investissements et la diversification qui peuvent renforcer les bénéfices que les États peuvent tirer de l'exploitation des ressources, mais aussi le secteur privé des pays respectifs à travers soit l'approvisionnement local ou le contenu local et toute autre forme de bénéfice que ces populations, de façon générale, peuvent en tirer. Cela nous permettra également d'analyser quelles sont les politiques et les stratégies de développement que nos États respectifs ou l'Afrique de façon générale et la CEDEAO de façon spécifique ont développé pour pouvoir au moins organiser la gouvernance des ressources naturelles. Cela nous permettra aussi d'analyser un peu les rôles et les relations qui existent entre les différents acteurs. J'ai cité au début les différents acteurs qui existent dans la gouvernance, mais comment ils interagissent, qui fait quoi, à quel niveau d'influence, tout ça fera l'objet d'une analyse succincte, détaillée dans les prochains jours. Donc, nous invitons à tous les participants d'être assidus, participer, poser des questions, soulever des débats. Nous essaierons ensemble de trouver le juste milieu en termes de réponse à l'ensemble des préoccupations. Donc, nous vous encourageons fortement à rejoindre ce cours qui sera facilité par moi-même et d'autres collègues de divers pays et partageront aussi diverses expériences de gouvernance, divers modèles qui existent dans différents pays. Cela nous permettra ensemble de voir pour chaque participant comment ces instruments-là s'appliquent dans son contexte de son pays ou de sa région, etc. Donc, il est ouvert principalement aux citoyens de l'Afrique de l'Ouest, mais pas uniquement. Où que vous soyez dans le monde, si le cours vous intéresse, il est élaboré en français et en anglais, donc il est ouvert à tout le monde. Je vous remercie.